Hey yo tout le monde, c'est TheLeoCraft. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, comme promis la semaine dernière, je vais pas vous présenter mon armée clone, hein, que j'ai un tout petit peu amélioré depuis la dernière vidéo. Mais on va bel et bien présenter le set Star Wars Rebel, la TTE du Captain Rex. Vraiment, j'ai un set génial, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Donc ce qu'on va tout de suite faire, alors pour l'ouvrir, je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais tout de suite faire une ellipse pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ok, alors j'ai pu trouver un moyen pour que ça soit une vue prolongée. Je pense que ça sera comme ça tout le long de la vidéo, hein, parce que c'est vraiment pratique. Du coup, la boîte, elle rentre même pas en entière, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop, du coup, Kylo Ren juste là. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Là, en haut, on a les 5 figurines. Donc, un Stormtrooper, Commandant Gregor, Captain Rex, Commandant Wolf et le 5e frère, donc l'Inquisiteur. Hop, quand on tourne, on peut voir de la pub, les fonctions du set, hop là. Le set en plus cool et de dos. Je sais pas si je vais réussir. Hop, les schémas du set. Je suis désolé qu'il n'y a pas de lumière. Enfin, il peut y en avoir en fait. Voilà. Les schémas du set. Star Wars, le numéro du set. C'est assez lourd quand même. Hop, ça là. La poignée pour le tenir que je n'ai pas ouverte. Le dessous avec des trucs inutiles. Des pièces Lego qui sont tombées de mon setup. Je remets vite fait la lampe. Je prends des ciseaux assez sympas. Et je me prépare à l'ouvrir si je peux. Oh putain. Ok. Est-ce que vous pouvez voir? Ouais, c'est bon, vous pouvez voir. Merde, comment je vais faire? Alors, je vais essayer de pas trop abîmer mon décor. Enfin, mon fond blanc. Hein, pour les vidéos, c'est pratique. Ok, c'est bon, j'y suis. Wow. On peut m'applaudir s'il vous plaît, merci. C'est une blague. Hop, donc la boîte, on peut voir comme ça. Hop, on a un paquet numéro 4. Et plein d'autres paquets. C'est bon. C'est bon pour ça. Alors, trions. Donc, le paquet numéro 4 qu'on a vu tout à l'heure. Le paquet numéro 1. Le paquet numéro 3. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 2. Et le plus important, les instructions plus les stickers. Hop, voilà. Et le dos des instructions. Du coup, c'est tout pour le contenu du set, et on se retrouve pour moi probablement demain, et pour vous tout de suite pour la review du set. Donc on se retrouve après la construction complète du set, hein, vraiment c'était très 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 long, avec la première figurine qui est Rex, Captain Rex, Commandant Rex comme vous voulez l'appeler. Donc du coup super figurine avec un corps et une tête exclusive. Les jambes, c'est juste des jambes grises normales. Donc du coup, voilà, c'est tout pour la figurine de Rex. Donc on va passer au Commandant Wolf. Donc Commandant Wolf qui est juste là. Super figurine, j'aime beaucoup. On peut voir donc du coup sa tête, son corps, pareil, qui sont exclusifs. Juste au niveau de sa tête, si on regarde bien. On peut voir qu'il a perdu un œil dans un combat, je sais plus lequel c'est. Mais l'œil est blanc pour représenter qu'il n'est plus là. L'armure de clone endommagée, etc. Très très belle figurine. Et donc, le dernier clone du set, qui est le commandant Gregor. Donc lui, il a tout simplement enlevé son armure entière, sauf la petite ceinture qu'on peut voir qu'il a. Il a seulement mis un t-shirt, un débardeur. Du coup, figurine très très simple. On peut voir au niveau de la tête un début de barbe, des petits poils qui commencent à pousser. Donc du coup, maintenant, on va passer tout de suite à l'Inquisiteur.
Donc Inquisiteur qui est juste là. Super figurine, c'est le cinquième frère. Donc génial. J'aime beaucoup le sabre laser. Enfin le manche de sabre laser, pardon. Du coup je vous montre en grand. Voilà. On peut enlever les lames bien sûr. Hop. Et quand c'est fait, l'accrocher au dos de l'inquisiteur. Voilà. Donc au niveau de ses expressions, si je puis me permettre, on peut le voir, il est pas content. Hop, voilà. Au niveau de sa deuxième expression, on dirait qu'il a... J'aime pas beaucoup cette expression. Mais elle est quand même présente dans le set. Voilà. Et après, au niveau des imprimés, donc sur l'armure, hop, ils sont géniaux. Donc c'est des trucs impériaux, enfin des designs impériaux. Et au niveau du corps, voilà, tout simplement. Et donc la dernière figurine qui est juste un Stormtrooper, un Star Wars Rebels. Donc c'est pas les... c'est pas ceux-ci, enfin ceux-là pardon. C'est ceux de la série télévisée. Donc du coup très simple, un blaster normal, le même que le Captain Gregor, commandant Gregor. Donc ça, c'est à peu près tout. Peut-être la seule chose, il a une tête de clone normal du coup. Donc du coup on va tout de suite passer à la TTE. Du coup on se retrouve avec le monstre, littéralement hein, ce truc est gigantesque. Même avec mon angle de vue hyper sophistiqué pour pouvoir filmer. J'arrive à peine à le voir, vous voyez là on dépasse dans mon cadre. Peut-être comme ça, là on peut le voir presque en entier. Si, peut-être je le pousse, c'est mieux, on peut le voir en entier. Du coup on peut voir les trois jambes du côté gauche. Donc deux jambes normales, normaux, je sais pas, ouais peut-être, comme ça, et une rouillée juste là-bas. Après donc du coup si on le tourne un peu, on peut voir hop la manivelle juste là qui est assez pratique. Du coup on le tourne, tac tac, je vais mettre la lampe dedans. Hop, on peut voir une autre jambe ici. Si j'arrive peut-être à reculer, hein. Donc, excusez-moi vraiment si le cadre de mon fond n'est pas assez grand. Du coup, ce pied qui n'est pas le même que ce pied, donc si vous pouvez voir là, c'est du gris clair, là c'est du gris foncé, donc un petit détail. Donc du coup, c'est tout pour ça. Donc on refait tourner, hop, pour voir le dos, la porte qu'il y a ici, auquel on reviendra tout à l'heure. On fait tourner, ok, et c'est bon. Du coup, là c'était un petit 360 du set lui-même. Maintenant on va voir un peu les choses un peu plus en détail. Donc à commencer par l'avant. Si je le décale, on peut voir. Maman, fou ! On peut voir du coup la plateforme juste là, donc, qu'ils ont rajouté à la TAT. Donc du coup la TAT qui était normale auparavant. Avec du coup des lampes, enfin des lanternes de chaque côté. Hop, juste là. Un cristal, pareil, qui doit probablement représenter une lanterne. Des canonnières, hop, qu'on peut ajuster dans n'importe quel sens. Hop, j'aime beaucoup ces pièces, elles sont génialissimes. Il y a la même chose de l'autre côté. Le canon en haut, voilà, qui tourne normalement en 360. Peut-être pas, non, pas en 360. Mais presque, hein. Du coup, Wolf, il va aller par là-bas. Du coup, là, on peut voir si je rapproche le truc. Hop. Un sticker juste là. Deux autres. Ici et ici. Hop, c'est assez compliqué. Voilà. Après, du coup, pour le cockpit. Il se soulève comme ça. On peut le sortir comme ça. Avec, par exemple, ici j'ai mis Rex qui le pilote. Petit imprimé. Si vous arrivez à voir, hop, un imprimé assez sympathique.
Donc du coup on peut le sortir, c'est assez pratique. Après, donc quand on continue de l'autre côté, on peut voir pareil, hein, le même détail, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hop, la jambe, la couleur différente. Maintenant, on peut voir ici cette petite chose qui fait probablement de la vapeur ou n'importe quoi, qui n'est pas présente de l'autre côté, comme vous pouvez le voir juste là. Des containers qui peuvent aller jusqu'au sol. Si, encore une fois, je recule la caméra, je suis désolé. Du coup, ils peuvent aller jusqu'au sol, on peut les remonter. Voilà, donc du coup c'est assez sympa. Si on ouvre les caisses, on peut voir qu'il y a un blaster, un petit blaster. Hop, voilà. Je le remets dedans. Donc du coup, on continue avec l'arrière du véhicule. On peut voir une échelle repliable avec le commandant Grégor qui s'y pend. Voilà, donc du coup l'échelle est repliable. On peut la mettre comme ça ou comme ça. Comme ça, c'est là où on la voit le moins. Donc du coup, la porte avec le digicode. Hop, si je rapproche la lampe sans que vous la voyez, c'est bon. On peut voir du coup un petit imprimé, si j'arrive à zoomer. Voilà, donc un petit imprimé avec une manivelle ou quelque chose comme ça. Un sticker sur la porte. Du coup, quand on ouvre, on peut voir qu'on voit rien. Du coup, pour ça, il y a quelque chose de génial. On peut enlever le toit, hop, du coup, quoi, en une seule pièce. Hop. Et on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous me demandez peut-être ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien c'est assez simple. Mais je sais pas si je peux voir vous le montrer comme ça. Du coup je vais prendre la caméra avec moi. Manipuler la lampe. Du coup on peut voir qu'il y a la bestiole qui capture dans la série. Désolé pour la caméra qui bouge un peu. Hein. Donc ça, là on a une tasse de café. Des lunettes, une clé anglaise, donc des contrôles, etc. Ici, une rambarde. C'est à peu près tout hein, l'intérieur, pardon. Ici, on peut rouvrir, voilà. Donc c'est tout pour l'intérieur. Du coup, si on reprend le toit qu'on avait juste là, on peut le remettre assez simplement. Si on se guide du reste du set, on peut voir ici de lampes torches comme j'ai dit tout à l'heure. Et juste là, on peut voir une autre caisse, hein, la même que celle de tout à l'heure, sauf son contenu qui change. Donc la caisse elle-même, elle ne change pas. C'est juste son contenu. À l'intérieur, on a des bombes détonatrices. Bon, je vais les sortir. Hop, on en a deux. Et si j'arrive à vous les montrer. Voilà à quoi il ressemble. Hop, et voilà qu'elle part. Du coup, on peut le remettre très simplement. Ici, on a des plateformes donc du coup qui servent à voyager, quoi. Très simple. Du coup, là, tac tac. Normalement, on est tout bon pour l'arrière. Maintenant, pour le côté avant. Alors ici, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a juste... Pouf. Des missiles en plus, hein, pour le canon qu'il y a au-dessus. Donc on peut remettre très facilement. Hop, voilà. Comme ça. Et donc le canon lui-même, le canon qui est là-haut, hein, on peut le voir. On peut juste appuyer ici et ça part. Donc du coup il peut aller de haut en bas, hop, comme ça. On peut ajuster ce qu'il y a juste au-dessus là. Et c'est à peu près tout pour le set entier en fait. Donc du coup je me rends compte que la présentation est déjà terminée. Peut-être mis à part la poignée hein, qui peut le porter. Au niveau des articulations en bas, du coup en fait on peut pas vraiment le faire marcher. Il est déjà à son maximum. Peut-être si... Ouais non, on peut pas vraiment le faire marcher. C'est vraiment juste pour de la déco. Après, si on veut vraiment le faire marcher, on peut... Pouf. Pouf.
sais pas vraiment moi. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. À part peut-être non, je suis désolée. Le manuel, je voulais pas montrer. Du coup, juste là, le dos. Mais l'épaisseur qui est assez grande. Hop. À la fin, on a une pub pour le jeu vidéo, une pub pour des sets. Voilà, ça qui est juste génial. Des figurines, parce que c'est cool les figurines. Et une pub pour l'application encore une fois. Les fonctionnalités du jeu et les pièces. Du coup, cette fois-ci, c'est vraiment tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo, à liker. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!